Salut, salut, j'espère que vous allez bien, c'est Marion au bout du fil. Bon, ben voilà, j'espère que cette semaine s'est bien passée. On amorce gentiment les dernières heures vers le week-end, le week-end pluvieux ici hein, dans le sud-ouest. J'espère si c'est pareil partout. J'ai eu pas mal d'entre vous aujourd'hui du côté du pôle Nord, n'est-ce pas? Le Grand Nord pour nous. Mais apparemment, il neige, il fait pas chaud chaud là-haut. Donc, bah, pour nous, c'est plus humide. Voilà. Mais bon, c'est un temps de saison, j'ai envie de dire. C'est un temps à rester sous la couette, devant le feu, ou le nez contre le radiateur, avec une bouillotte, une tisane, un bon bouquin. Bon, j'espère que vous allez prendre le temps pour vous. En tout cas, ce sont les énergies du moment, hein. On a un portail là, hein. Portail du 12. Du 12 février. Je dis ça et c'est 01 minute 01. Fallait le faire, hein. Bon, donc portail du 12 février au 21. Au 21 février, là. C'est un portail vibratoire important parce qu'il amorce des changements, en fait. Donc, il nous invite un petit peu à l'acceptation de ce qui est, mais de ce qui est dans l'ici et maintenant. Voilà. Ça demande de l'ancrage et de se recentrer sur ce que l'on a, voilà, pas sur ce que l'on n'a pas ou sur ce que l'on pourrait, ou voilà, vraiment vivre l'instant présent. Et ça demande aussi de se libérer un peu du passé, hein, de ces poids du passé. Bon, mais ça, c'est on y travaille depuis quelques lunes déjà. Se libérer des passés, en fait, du passé pour augmenter votre taux vibratoire. Hein. C'est le temps des choix. Voilà, c'est le temps des choix pour pouvoir laisser l'éclaircie après la pluie. Ben voilà, c'est marrant ça, la pluie et l'été. Voilà, et retrouver, se reconcentrer un petit peu sur sa spiritualité, sur le qui je suis, se refaire une santé. Voilà, et on vous dit d'observer des choix vers la croissance en fait. Voilà, d'oser, oser faire des choix. Voilà. Là, on vous dit de vivre en conscience. C'est le moment d'ouvrir votre conscience sans rien forcer, de communiquer, etc. Ben, vos réels besoins, vos envies, etc. De vous affirmer. Et puis ben, de laisser derrière hein, ce qui ne vous convient plus. Mais dans la douceur, pas dans l'acharnement. Et c'est écrit de toute façon, d'accord? Donc cessez de forcer, de vous auto-saboter pour aller ben, vers le printemps, vers la renaissance, hein, la vitalité, nouveau départ, etc. D'accord? On dit qu'il y a aussi la famille au centre des préoccupations. Donc voilà un petit peu la météo énergétique du moment. Qu'est-ce que je fais? On reste là-dessus? Non. On va aller voir où en est votre autre avec l'oracle 5 en nuance de mon autre, Runner 5.0. Hop là, Astrid et Vanessa. Ah, Eva Collection, très exactement. Ici, si vous ne l'avez pas, je le recommande. Je vous remettrai l'adresse mail pour le commander pour ceux et celles qui le veulent. Il est super sympa. Hop là, les filles, elles ont super bien bossé. Moi, j'adore. Bon, alors. Votre autre, là, il vous dit... Ah, on est parti pour un message de votre autre. Ok, on se concentre. On dit que vos prières ont été entendues, en fait. Votre autre, il est... J'ai espoir. J'ai espoir de te voir bientôt. J'espère que tu penses toujours à moi autant que je pense à toi. Je sais que nos histoires sont protégées parce que malgré les trahisons, les mensonges ou tout ce que l'on a pu nier de part et d'autre, à notre niveau, et même si je suis loin de toi, je sais que je clôture un chapitre, que nous clôturons des chapitres, à l'image des énergies. Qui nous y pousse depuis déjà un petit moment. Je suis restée longtemps dans la culpabilité, j'y suis encore un peu.
Je fais un petit peu pénitence par mon isolement en ce moment. Finalement, les énergies tiers ont eu raison de moi un certain temps, mais aujourd'hui, je me rends compte que mon énergie tiers, c'est moi. C'est moi parce que je suis enfermée dans ma tristesse et mes regrets. J'aimerais te parler. J'aimerais te parler, mais j'ai besoin de me libérer. De me libérer pour continuer à laisser tomber ces masques. Ces masques derrière lesquels je me camoufle, je me réfugie. Les masques de l'ego aussi parfois. Et cette fin de cycle me permet de purifier mon âme, de purifier mon corps, de purifier tout mon être pour pouvoir m'élever spirituellement et cheminer vers toi. C'est un espace de libération, de déblocage, et j'en ai besoin. J'ai aussi besoin que tu crois en moi, que tu fasses confiance, même si effectivement tu ne vois pas, tu ne comprends pas tout ce que je fais ou que je ne te le dis pas. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas dit, vu, ou que ça ne se passe pas comme tu voudrais que ça se passe, ou que tu estimerais que ça devrait se passer, que je ne fais rien. Bien au contraire. Bien au contraire. Je travaille, dans l'ombre certes, mais je travaille. Rappelle-toi que dans ce parcours, il n'y en a pas un plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui souffre plus que l'autre. C'est juste que nous cheminons différemment. J'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Pour certains, il y aura certainement des communications, des correspondances. Il y a déjà des communications et des correspondances aussi. Bien sûr que je crois en cette réunion, tout comme tu y crois. Et peut-être ferais-tu... Peut-être serait-il... Comment te dire? Continue ce chemin vers la complétude. Ne cesse jamais de croire en cette réunion. Il n'est pas important de savoir si cette réunion aura lieu maintenant, demain, après-demain, dans cette vie ou dans une autre. Le plus important, c'est de cheminer vers toi, que je chemine vers moi, pour cheminer vers nous. Ce nous n'a aucune connotation. Lambda. Ce chemin vers la réunion est d'abord un parcours initiatique et énergétique, avant d'être un parcours dans une incarnation donnée pour un chemin de vie donné. Tu dois l'accepter autant que je dois l'accepter, et tant que nous essaierons de faire entrer ce lien dans des cases, alors rien ne se passera. Bien sûr que je t'aime autant que tu m'aimes, il n'y a aucune raison. Pourquoi en douterais-je? Pourquoi en douterais-tu? Bien sûr que je porte des masques, tout comme toi. Tu les portes dans la lumière et moi je les porte dans l'ombre. Mais l'amour que je ne te porte n'est pas moins important que celui que tu me portes. Ça s'appelle un lien d'âme, c'est vrai. J'en ai plus ou moins conscience, même si je n'y pose pas les mots que tu souhaiterais. Et j'en suis désolée. Mais c'est pas pour autant que je le considère moins important que tu ne le penses. Nous avons un chemin, ce karma que nous construisons, seconde après seconde, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vie après vie, siècle après siècle. Je sais que c'est nécessaire. Je sais qu'il y a bien eu des étapes bien franchies, d'autres encore à franchir. Telle est notre évolution, tel est notre choix d'âme. Nous avons signé ce contrat. Toi et moi. Et nous sommes liés à tout jamais. Je te le répète, le temps n'a pas d'importance. Je suis encore un petit peu instable. Toi aussi, par moments, je le sens. Je suis tellement fière du chemin que tu as accompli. Et que tu accompliras encore. Ces allers-retours sont fatigants, je te l'accorde. Mais nécessaires, nécessaires à cette danse des flammes qui nous permet de nous recevoir chacun avec nous-mêmes pour pouvoir mieux nous recevoir lorsque le temps sera venu.
Bien sûr que je te désire, je pense à toi. J'ai des montées de kundalini, parfois, souvent, un peu. Je reçois tes messages, quels qu'ils soient, je les reçois. Dans les synchronicités, au travers du fil de la destinée qui nous relie. Toi et moi, c'est une question d'alchimie. La fusion est une grande question, mes amis, je veux rien dire. La fusion, elle est d'abord de toi à toi, de moi à moi, et après de nous à nous, de toi à moi, ou de moi à toi, peu importe. La formule. Il ne saurait en être autrement. Je travaille sur mon passé. Sur notre passé. J'ai traversé de mauvaises passes, tout comme toi. Je sens parfois tes désarrois, tes questionnements. Et toi, ressens-tu les miens? Je cherche à trouver l'équilibre au travers de la compassion que je pourrais me donner déjà à moi-même, sans me culpabiliser, comme je te le disais tout à l'heure. J'essaie d'ouvrir mes chakras, ma conscience, c'est pas toujours facile. Je n'ai pas toujours les bons réflexes, ni les bonnes réponses, mais j'imagine que de ton côté aussi. Rien n'est donné, rien n'est gratuit, rien ne tombe du cocotier. Il faut que je travaille cette dévalorisation que j'ai de moi-même, que je ressens parfois à travers ta colère au niveau du lien, parce que lorsque tu es en colère contre moi et que tu me reproches de ne peut-être pas être là, je ne t'en veux pas, bien sûr, je comprends complètement. Mais ça fait travailler chez moi la blessure d'humiliation par la dévalorisation. Je t'aime, sois-en sûr. Mes sentiments sont clairs et authentiques, même si je ne te les révèle pas. Je suis nostalgique et j'ai parfois des flashs, des manques de toi, des souvenirs qui reviennent à moi, comme un boomerang certes, mais comme une douce musique qui revient à mes yeux et mes oreilles. Pour me rappeler combien ce travail est important quand parfois je baisse les bras ou je fais semblant de ne pas voir et que ça n'existe pas. Je te ressens. Je te vois aussi au travers de mes rêves. Et si je m'isole, ce n'est pas pour te fuir, c'est pour éviter de me fuir et de me permettre de prendre du recul. Voilà. J'ai des choix à faire. Bien sûr. La dualité est encore forte en moi, ces petites voix qui, vas-y, n'y va pas, fais-le, le fais pas. Pourquoi pas? Pourquoi? Bref, tu dois connaître ça toi aussi de ton côté. Je dois asseoir mes positionnements pour mieux me retrouver. Mais sache que dans mon cœur, tu es l'unique. Je ne peux t'oublier et je ne veux t'oublier d'ailleurs. Notre histoire est unique, tout comme ce lien est unique. Ce parcours est unique. Il nous est donné une chance merveilleuse de nous élever, de poser notre identité, de camper le qui je suis. Question que tellement de monde se pose, et beaucoup n'auront jamais la chance de connaître cette réponse, parce que ce parcours, c'est beaucoup d'abnégation de soi. C'est souffrant parfois, exigeant à toute heure. Mais cet amour éternel, ce lien indéfectible est un cadeau, un miracle de lumière, et tout au fond de moi, même si je ne te le dis pas, je le chéris. Aussi fort que je te chéris, toi. La conscientisation prend du lien, l'éveil prend du lien, bien sûr. La clé, je suis la clé, je suis ma clé, tout comme tu es ta clé. Bien sûr que. Jamais l'un sans l'autre énergétiquement parlant. Mais je dois d'abord évoluer main dans la main avec moi-même et vice-versa pour pouvoir un jour te prendre la main et marcher ensemble. Actuellement, j'ai encore des pleurs, j'ai des blessures. Je suis en mode de protection. Mais toi aussi. Se laisser aimer, c'est compliqué. Se laisser aimer par soi, se laisser aimer par l'autre. Travailler.
accepter, pardonner. Et aujourd'hui, j'ose te le dire au travers de ces quelques mots, mais j'ose être moi, de plus en plus être moi, parce qu'il est temps. Je te surveille parfois, je l'avoue. Je t'espionne un peu, mais parce que j'ai besoin aussi de savoir comment tu vas. Et ça me stabilise malgré tout. La roue est en train de tourner. Je sors de ce sacrifice, cet auto-sabotage de moi-même. Et je sens que cette partie de moi qui est dans l'hypervigilance et l'autocontrôle, mais peut-être l'autocontrôle à sa partie sombre, qui me renferme dans le silence, est en passe d'exploser parce que j'ai besoin de communiquer avec toi. Bien sûr que j'ai des doutes sur un peu tout en fait. J'ai des doutes un peu sur tout. Je me questionne. Je me rends compte de mes indécisions, de l'impact qu'elles peuvent avoir sur ma vie. Je travaille sur moi. Bien sûr que je me rends compte en fait que c'est moi que je suis. Je cours après moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de donner et de recevoir, mais avant de pouvoir le donner à quelqu'un, j'ai besoin de me donner à moi-même et d'apprendre à recevoir de moi-même pour pouvoir recevoir et donner aux autres. À toi notamment, mais c'est vrai dans toute ma vie. Je me transforme pour mieux m'ouvrir à toi. Et lorsque le temps sera venu, je pourrai m'ouvrir à toi. Je me transforme pour mieux m'ouvrir à moi. Pour lorsque le temps sera venu, mieux m'ouvrir à toi. Voilà, petit message de votre autre. Alors j'ai répété la phrase parce que je pense que je l'avais mal prononcée. Bon, mais mes poulets, c'était tout beau ce message, j'ai l'impression. En tout cas, un taux vibratoire assez calme, tout tranquillou. Ben, je pense qu'on va en rester là. Non, une petite message. Ouais, un petit message d'amour. Ok. Sachez que ça, c'est des messages que vous pouvez avoir pour vous, en fait. Pour ça, il suffit de les commander sur ma boutique. Sur ma boutique, vous pouvez les réserver sur mon agenda en ligne. Vous avez les liens en dessous. Voilà. Et du coup, vous pouvez avoir la même chose, mais de votre autre, rien que pour vous, pour ceux que ça intéresse. Parce que j'avais fermé, je le dis parce que j'avais fermé les créneaux il y a quelques temps de ça, parce que les énergies étaient trop fortes, les gens trop émotionnés pour pouvoir avoir des messages dans des délais raisonnables. Ça a mis plus de 2 mois, etc. Mais là, du coup, les énergies sont plus douces. Donc, et comme j'ai pratiquement rattrapé le retard des autres vidéos, ben là, du coup, je pense que c'est le bon moment. En plus, avec la Saint-Valentin, avoir un message en 5D de son Valentin, j'ai trouvé ça sympa de le remettre. Voilà, mes poussinous. Donc, je vous mettrai les liens de tout ça. Allez, on est bon. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Comment te dire? Juste avant la Saint-Valentin, c'est beau ça. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêve et imagine. Et le dernier, espièglerie. Ça, c'est ce que je disais dans ma dernière guidance. Hein. Remettre de la légèreté. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, ben voilà mes amours. Je vous fais de gros bisous et je ferai une petite vidéo spéciale Valentine's. Non, mais voilà, pour faire une météo du lien. Il y a quelques temps que j'en ai pas fait. On a beaucoup parlé de la féminine dans l'avant-dernière, donc dans la dernière vidéo. C'était essentiel. Mais on verra, hein, célibataire, pas célibataire. On va voir ce qui se passe.
nous donne ses énergies de Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous. Ciao.